vous fais un petit tuto rapide pour vous expliquer comment j'ai installé une prise USB pour charger mon téléphone en roulant. Parce que comme j'ai installé une fixation quad lock dans la colonne de direction, la prise USB me paraissait indispensable. Donc ici, la petite prise USB que j'ai choisie, elle est là. C'est une Moto Power. Je l'ai fixée sur le tube de fourche avec un collier. Hein, donc facilement démontable. J'ai absolument rien modifié. Vous avez la petite fiche SAE qui est à côté. Voilà, j'ai laissé un peu libre de mouvement, mais bon, ça ne craint absolument rien. Par contre, j'ai gainé tout le câble qui vient de la batterie et qui passe donc sous mon réservoir. Donc, je suis obligé de soulever le réservoir pour avoir accès au câble, au petit fil qui est en dessous. Voilà, j'ai branché donc l'alimentation sur une fiche qui ne servait à rien. Il y en a une deuxième en dessous. Voilà, sous la selle, vous avez une fiche blanche qui ne sert pas. Donc j'ai trouvé du 12 volts hein, avec un petit testeur branché sur 20 volts. Il suffit de, voilà, de trouver une masse et de trouver l'alimentation. En parlant d'alimentation, donc elle est fixée sur une partie qui se déconnecte de la batterie hein, quand je coupe le contact pour plus de sécurité, pour éviter de vider ma batterie. Ici, vous avez le petit fusible. Et j'ai une prise à la masse ici fixée sur le bâti arrière de la moto. Le plus chiant, ça a été de passer donc le câble sous le réservoir. Ici, ça passe à peu près en dessous là. Donc le câble, hein, il passe bien le long ici là, le long du cadre. Voilà, l'alimentation passe le long du cadre tout le long ici et ressort en haut. Voilà, là on le voit. J'ai mis un petit collier sur la petite patte qui permet de tenir le réservoir au cadre. Et puis ensuite, des petits colliers réguliers pour que le fil ne se promène pas. Voilà, j'espère que ce tuto vous sera utile pour tous les propriétaires de R1 2004-2006. Voilà. Allez, à bientôt!